Sénèque et Dresche depuis New York. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous de super qui s'appliquent beaucoup à moi, qui s'appliquent encore un peu, sûrement, mais je suis en 5 minutes, je suis en train de le convaincre. Cette phrase magique, « Don't sell yourself short ». J'ai trouvé ça magnifique. Harvard, on nous a expliqué que les clients ne partiront jamais si vous demandez le prix qui réellement équivaut à votre prestation. Vous avez plus de chances que les clients partent et vous tournent le dos si au contraire votre prestation vous la sous-évaluez parce que vous pensez que vous ne méritez pas suffisamment, vous pensez que le prix est trop élevé. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant dans la dynamique. On vit tous dans scarcity, dans la ville de la peur, du manque, de l'insécurité. On a toujours tendance à se diminuer, spécialement dans notre culture. Je veux une petite voiture, un petit métier, un petit mari, deux petits enfants. Et en fait, on ramène ça aussi dans notre business. De temps en temps, on a tendance à se rabaisser et à sous-évaluer sa prestation. Et vous lancez un message très clair. Je ne vaux pas suffisamment, mon produit ne vaut pas suffisamment et vous avez raison de partir et de ne pas m'acheter mon produit, de ne pas collaborer avec moi et de ne pas avoir recours à mes services. Donc, à partir d'aujourd'hui, don't sell yourself short. Mettez le prix qu'il faut, allez avec beaucoup de confiance, jouez avec votre corps parce que votre corps vous ramène de la confiance. Allez-y, décrochez vos rendez-vous et quel que soit l'objectif. Parce qu'en plus, c'est contagieux. Quand vous commencez à agir comme ça, à vous mettre dans des positions de petites prestations, petits prix, petites visions, petits objectifs, et ça fait une petite vie. Et je pense que ce n'est pas ça que vous voulez. C'était Nahid Rached depuis New York. Au plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez les vidéos, partagez-les. Laissez vos commentaires, je me ferai un plaisir de... Bon, voilà, j'attendais que le camion passe. Et je continue mon projet d'interview. Je suis là encore pour une petite semaine. Si vous avez des personnes que vous connaissez sur New York, qui sont connues, qui sont influentes, mettez-moi en contact avec elles pour que je puisse les interviewer. Cette fois-ci, j'ai ramené ma caméra. Les vidéos, elles seront de meilleure qualité. Je suis trop contente. Celle-ci, je l'ai fait avec mon téléphone parce que c'est pas possible. Je vous dis donc à très vite. C'était Nahid Rached. Lehfetkom et Hadawa.